www.nutrihormonal.eu. Je suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Cette semaine, je vais faire une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle ne va pas parler de santé de manière directe, mais plutôt de manière indirecte au travers de deux ouvrages de philosophie japonaise. Alors, on va commencer par le premier, c'est Danchari, l'art du rangement aux éditions Poche Marabout, qui est écrit donc par Hideko Yamashita. Donc j'espère que je le prononce correctement. C'est un ouvrage extrêmement intéressant qui traite de l'art du rangement ou comment retrouver le bonheur. Et il s'agit d'une méthodologie donc japonaise qui va nous permettre de nous interroger sur pourquoi on garde des choses et comment on est capable d'encrasser notre maison. Et moi, en tant que naturopathe, ça m'a beaucoup intéressée de voir finalement la corrélation entre notre manière de garder les déchets à l'intérieur de notre maison et puis cette même manière qui va être de les conserver à l'intérieur de son corps. Donc dans cet ouvrage, vous allez vraiment trouver des réponses par rapport à votre conception face aux objets, face au matériel et ce que ça dit de vous-même. C'est vraiment un ouvrage qui participe au cheminement intérieur et notamment, je dirais, sur la gestion des déchets, des choses qu'on garde à l'intérieur de soi ou en tout cas à l'intérieur de sa maison de manière inutile. Donc un très beau livre qui est plus de l'ordre de la philosophie du rangement plus que de choses pratiques comme peuvent l'être par exemple Marie Kondo ou ce genre de choses. Et le second, c'est le livre de L'Ikigai aux éditions J'ai lu de Bettina Lemke. Ce livre-là, alors là c'est pareil, elle fait le pont entre un principe de la philosophie japonaise qui est l'ikigai et la bonne santé de ceux qui la pratiquent, qui sont notamment les gens d'Okinawa, qui sont des centenaires de l'île d'Okinawa. Donc elle fait vraiment le pont entre le fait d'avoir quelque chose qui vous motive à vous lever le matin et votre santé générale qui fait que vous vieillissez mieux. Le livre est assez succinct en matière de philosophie japonaise, hein, c'est vraiment plutôt de la vulgarisation. En revanche, on va trouver plein de petits exercices à la fin qui vont aider à essayer de se recentrer sur l'essentiel et de trouver sa voie. Voilà, j'en ai terminé. Donc c'était pour vous présenter ces deux ouvrages, le Danchari aux éditions Poche Marabout et le livre L'Ikigai de Bettina Lemke aux éditions J'ai lu. Voilà, vous inviter à faire un autre type de chemin qui est complémentaire à celui du soin, qui est celui de l'âme et de votre manière d'être par rapport aux choses du monde. C'était Louise Bénière pour Mabulle.eu. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.